Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous rencontrer dans cette vidéo pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous proposer les boulettes suédoises. Pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g d'hachés de bœuf, un œuf, un petit oignon coupé finement, une cuillère à soupe de cerfeuil plat et une cuillère à soupe de coriandre coupé finement, 30 g de chapelure, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, ail séché et une cuillère à café de paprika. Pour la sauce, on aura besoin de 250 g de champignons coupés, 200 g de crème épaisse, 3 oignons émincés, une cuillère à soupe de moutarde, 4 gousses d'ail coupées grossièrement, une cuillère à café d'ail en poudre, sel et poivre selon votre goût. Pour la préparation des boulettes, on va prendre notre viande, on va y ajouter les épices, l'oignon, la chapelure, cerfeuil et coriandre et l'œuf. Ensuite, on va mélanger le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va faire des boulettes. Pour la grandeur des boulettes, c'est comme vous le souhaitez. Petite, moyenne ou grande, c'est comme vous voulez. Une fois qu'on a fini les boulettes, on va passer à la cuisson. Je commence par mettre un peu d'huile d'olive dans le fond de ma casserole. Ensuite, je vais déposer mes boulettes. Je vais les laisser rissoler d'un côté, puis je vais les retourner de l'autre côté. Une fois qu'on a rissolé nos boulettes des deux côtés, on va ajouter l'ail, les oignons, ensuite on va mélanger un petit peu comme ceci et on va laisser rissoler durant 3-4 minutes plus ou moins. Après 3-4 minutes, on enlève le couvercle et on ajoute nos champignons, nos épices et la moutarde. On mélange. Et on recouvre et on va laisser cuire pendant 5 minutes. Une fois passé 5 minutes, je retire le couvercle et j'ajoute ma crème épaisse. Je mélange. Et on va laisser cuire jusqu'à l'épaississement de notre sauce. Une fois que notre sauce est épaisse, on arrête la cuisson et on peut servir.